Et bienvenue au JT d'Aïeli. Cette nouvelle émission sera consacrée à l'actualité de Dofus et à notre guilde Ciel et Terre. Au sommaire, nous retrouverons le membre de la semaine, le donjon de la semaine, la news mage et une page de pub. Bienvenue dans la rubrique Le membre de la semaine, en direct aujourd'hui du phare de Madrostam. Comme la semaine dernière, je vais vous faire deviner un membre de la guilde Ciel et Terre, au travers de 3 indices. Vous aurez ensuite 5 secondes pour le trouver. Allez, c'est parti. Premier indice, il n'aime pas les régions froides. Second indice, son pouvoir lui vient du dieu de la baston. Troisième indice, c'est notre nouveau recruteur depuis peu de temps. Allez, à vous de jouer. Le membre qu'il fallait trouver cette semaine, c'était Daishiro. Bravo si tu l'as reconnu, et à la semaine prochaine pour un nouveau membre. Bienvenue au tirage du donjon de la semaine. Allez, c'est parti. Ce mercredi 11 février, nous irons au laboratoire de Brumen Tinctorias. Dans les landes de Sidimoth, en -27-17. Les règles du jeu restent les mêmes. Un seul compte est abonné, s'inscrit sur le forum bien sûr, et est co sur Mumble. Donc rendez-vous à 21h. Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. On va tous les niquer. Yeah.
comme cette jeune femme, vous traînez l'âme en peine sur le chemin de l'amour, si tous les hommes que vous croisez vous fuient comme la peste, et qu'ensuite vous pleurez toutes les larmes de votre corps, n'attendez plus et faites le bon choix. Comme elle, connectez-vous sur notre site de rencontre. Vous y trouverez des nénis qui soigneront vos blessures de l'âme et du corps, des écaforts qui vous protégeront, des obales riches qui vous combleront de cadeaux. Retrouvez notre sélection de guildes sur adopteuncielétaire.com. Cette semaine, retrouvez Nami dans un nouvel épisode de ses aventures. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine.